pensez-vous, je change de sujet, que Bernard Cazeneuve et la direction de la gendarmerie ont voulu cacher la vérité sur la mort de Rémi Fraisse? Non, je crois pas. Moi, je crois pas au complot. Oui. Je crois pas à la malhonnêteté ni de Bernard Cazeneuve, ni de la gendarmerie. Je suis effondré par cet accident, comme tout le monde. Je veux dire, oui. Un jeune homme qui meurt à 20 ans. C'est terrible. Simplement, il faut faire attention que de ne pas, en contre-coup de ce drame, mettre les forces de l'ordre dans une situation où ils seront encore plus exposés et ne pourront pas remplir leur mission. Pour vous, c'est une bêtise d'interdire l'utilisation des grenades offensives par les gendarmes, parce que ce sont les seuls à les utiliser. Je ne maîtrise pas assez techniquement le dossier. Bon. Je ne voudrais pas simplement que ces mesures mettent en danger davantage les forces de l'ordre, et en particulier les gendarmes, qui font leur métier d'une façon assez exemplaire. Il peut y avoir des fautes, ou des bavures, comme on dit. Très bien, il faut les sanctionner. Mais ils font un métier très difficile, ils le font très professionnellement, il y a très peu d'accidents. Maintenant, quand la violence éclate, quand on jette des cocktails Molotov, des boulons, des pierres sur les policiers ou sur les gendarmes, eh bien, les risques d'accidents existent. Voilà.